Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, psaume 118, strophe 19. Celui qui aime et ne Dieu et connaît Dieu.
j'espère en ta parole. Mes yeux en s'éveillent pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Psaume 74. Psaume 75. Projet d'un Dieu reconnu en Israël grand est son nom.
jugé, pour sauver tous les humbles de la terre. La guerre de l'homme te rend gloire. Tu te sauras des réchappés de la colère. Faites des vœux à quitter les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites des offrandes terribles. Il est temps de sauver les princes. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a rappelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a scellé dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain. J'ai en vain usé mes forces. Mais l'ombre noire subsiste près du Seigneur, ma récompense auprès de mon cœur. Au ciel du Seigneur, j'étais comme effrayé, et la force, c'était mon cœur. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur. Pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. Cardinal Etchegaray, Esprit Saint, Esprit de Jésus. La Pentecôte a ouvert le temps où il ne s'agit pas de s'essouffler en vaines palabres sur le sens du message. L'Esprit Saint donne vie à toute parole de l'Évangile et rend tout homme capable de donner sa vie pour elle. Cette parole, la lettre aux Hébreux, la décrit comme tranchante jusqu'au fond du cœur. Nous sommes en Occident trop encombrés d'idées qui nous rendent souvent trop indécis ou trop raffinés. Nous sommes enclins à pencher davantage du côté des questions que du côté des réponses. Nous ne savons plus parler de Dieu comme Dieu l'a fait dans la Bible, simplement, avec les mots et les gestes de tous les jours. Nous ne sommes pas assez tendus vers l'avant, dans un avant permanent. Considérant l'âne qui portait allègrement Marie vers Bethléem, le poète franco-uruguayen Jules Supervielle a cette réflexion savoureuse. Marie pesait si peu
sur l'âne, n'étant occupé que de l'avenir qui était dans son sein. Pourquoi aurions-nous peur de l'esprit qui nous pousse toujours en avant, qui nous entraîne hors de nos routines et de nos sécurités? Selon l'image même du Christ, notre vie, comme celle de toute l'Église, est semblable à la croissance continue d'un arbre qui, à travers ses changements, est toujours repérable, identique, animé par la même sève et portant d'autant plus de fruits qu'il se laisse émonder. Avec grande puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Paul a fait appel pour que son cas soit réservé à la juridiction impériale. Avec grande puissance, les apôtres rendent témoignage à la résurrection de Jésus, le Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le roi Agrippa et sa sœur Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme ils passaient là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul. Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je suis allé à Jérusalem, les chefs des prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que la loi romaine ne permet pas de livrer un accusé sans l'avoir d'abord confronté avec ses accusateurs et lui avoir donné la possibilité de présenter sa défense. Ils sont alors venus ici et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai fait comparaître cet homme. Mis en sa présence, les accusateurs ne lui reprochaient aucun des crimes que pour ma part j'aurais imaginés. Ils avaient seulement avec lui certaines discussions au sujet de leur religion à eux
et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul déclarait toujours vivant. Quant à moi, ne sachant vraiment pas quelle suite donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour que son cas soit réservé à la juridiction impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'à son transfert devant l'empereur. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. C'est un Paul à contre-emploi que nous découvrons dans ce chapitre 25 du livre des Actes, qui trace de l'apôtre une sorte d'anti-portrait, tout sauf conforme à ce que nous avons l'habitude de connaître de lui. De Paul, en effet, nous dirions volontiers qu'il est un prédicateur, mais aujourd'hui il ne parle pas. Un voyageur, mais aujourd'hui le voilà assigné à résidence dans la ville de Césarée, où il est gardé prisonnier depuis presque 2 années. Nous le connaissons comme père et fondateur d'église, mais aujourd'hui, qui recevra la vie qu'il ne peut plus transmettre? Qui entendra la parole qu'il ne peut plus prononcer? Plus de foule à enseigner, plus de communauté à édifier, Paul est simplement un homme que Félix a laissé en captivité, comme l'explique son successeur Festus au roi Agrippa. Qu'on ne l'imagine pas pour autant les fers aux pieds, retranché dans une geôle sombre et malsaine, derrière une lourde porte solidement cadenassée. Non, le gouverneur Félix l'a lui-même exigé. Paul devait pouvoir bénéficier de quelques facilités et on ne devait empêcher aucun des siens de lui rendre service. Paul n'est donc même pas un héros de la foi. Il est seulement empêché de poursuivre sa course pour tâcher de saisir lui qui a été saisi et tout entier sur le chemin qui le menait de Jérusalem à Damas. À Césarée, Paul fait l'expérience, banale et pourtant décisive, de la contrariété. À Césarée, Paul apprend à lire le dessein de Dieu dans sa propre vie, alors même que sa vie semble échapper au dessein de Dieu. Ne devait-il pas rendre témoignage à son maître? N'était-il pas, lui, par appel de Dieu, prédicateur et voyageur, et père encore des enfants que Dieu lui-même lui avait donnés? À Césarée, Paul apprend que son identité et sa mission sont tout entières et jusqu'au bout entre les mains de Dieu. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Ne fais rien, Paul, car alors c'est un autre qui pourra faire en toi ses propres œuvres. Césarée, pour Paul, c'est un passage, une Pâque, le temps d'apprendre à l'école de son maître et seigneur de ce qu'il souffrit, l'obéissance, c'est-à-dire la confiance plus forte que toutes les apparences. Car ce qui fait grandir la confiance en Dieu, écrit le père de Vry dans son livre sur le discernement des esprits, c'est aussi et surtout l'impuissance devant la tâche de manifester la foi en Jésus-Christ. Ainsi, Césarée, pour Paul, c'est l'apprentissage de l'impuissance. « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire », dit celui qui a appelé Paul à prêcher, à voyager et à devenir père. Pour autant,
Ce n'est pas à Césarée que se dira le dernier mot de l'histoire, mais à Rome. Car ce qui est intéressant et ce qui compte, ce n'est pas l'impuissance, qui n'est jamais que l'envers d'un accomplissement promis, mais l'amour qui trouve en elle de quoi grandir et se fortifier. L'amour qui seul rend possible le témoignage que Paul rendra jusqu'à l'extrême comme son Seigneur et pour lui, par la prédication du sang versé. Un autre te scindra, dit Jésus à Pierre dans l'évangile de ce jour, et tu te laisseras conduire même là où tu ne voudrais pas. Frères et sœurs, que l'on prêche ou que l'on voyage, que l'on donne naissance aux enfants de l'Église, ou qu'on soit encore sur les bancs de la banale école de la contrariété, rien ne compte vraiment que de pouvoir répondre à la seule question décisive que Jésus, comme à Pierre, pose à chacun de nous. M'aimes-tu ? Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu es l'espérance de tous les hommes. Ouvre les cœurs des jeunes détenus éprouvés par l'isolement à ta miséricorde. Seigneur, tu te montres sensible aux cris des abandonnés. Viens consoler les personnes handicapées confrontées à l'exclusion. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu es le bien-aimé du Père. Fais connaître ta bonté à ceux qui n'ont pas connu l'amour d'une famille. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, Dieu fort, alléluia, saint immortel, alléluia. Dieu saint, Dieu saint, Dieu fort, alléluia, saint.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, Seigneur, pour nous ouvrir la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la gloire et tu nous as envoyé ton esprit de lumière. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Sit, 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 alleluia.
Yeah.